J'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans les précédentes images, je prenais l'avion, donc là je suis bien arrivée à destination et nous sommes à Madagascar et plus précisément à Majunga. Ça s'est décidé comme ça, sur un coup de tête. En fait c'est mon frère qui voyageait et je l'ai accompagné, donc c'est lui qui s'est chargé de tout. Là on vient tout juste d'arriver à l'hôtel, donc je veux vous montrer ma chambre. Nous sommes au niveau de l'entrée et tout de suite à gauche on a cette armoire qui est assez spacieuse je trouve, avec un petit coffre-fort. Et juste après on a une petite télé, la petite table qui va avec, un petit frigo, ma valise. Et là nous avons le lit double et un petit tapis, et bien aussi un petit téléphone. On a le petit miroir. Au cas où s'il fait chaud, on a la ventilateur et les toilettes. Du coup là on a la porte d'entrée. Du coup les toilettes se présentent comme ça. Le lavabo, les toilettes plus la douche. Je me repose et on se trouve après. À toute sieste réalisée. Donc là on va se chercher à manger, j'ai faim alors qu'il n'est que midi. On est arrivé, il était peut-être 10h30, donc 10h30 à midi, j'ai dormi un peu. Donc là, go se chercher à manger. Encore une base. Non, c'est encore. Du coup, là on est arrivé au restaurant et dès qu'on est sorti de l'hôtel, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, j'ai pas pu filmer. J'étais à ma caméra. Et là, on a le frangin. De la langue. Du coup, on dit, il m'a dit pour dire bonjour, c'est Aona. Aona. Ah, Aona pour dire bonjour. C'est Aona. Pour dire ça va, comment allez-vous? Aona. Ok, Aona. Pardon, Azafat. C'est du chemin, malgré ça, Azafat. Azafat, c'est pardon, excusez-moi. Et merci. Une soja. Donc on mettra tout ça en application. Là, je viens de recevoir ma commande. Donc ici, nous avons des saucisses de zébu. J'en ai jamais mangé, donc on va découvrir ensemble. Là, on a des frites. Soit c'était des frites ou des riz. Franchement, j'ai pas mangé du riz. Et là, c'est de la salade. Il y a des concombres, des carottes, de la menthe et un peu de sel et ketchup mayo. Et ici on a le chari, c'est fait à base de rimou, citron. De rimou, de comment on dit citron. Du citron et mafumo, comment on dit mafumo, la peau de citron. Bon appétit. Bon, vous êtes là ou là? Les gens ne font rien avec les surprises. En tout cas, c'est bon. On a bien mangé. Après la guerre. Après, on va se promener un peu en ville. Histoire de digérer un peu. Promener un peu en ville, franchement c'était trop chouette. Ça me semblait un peu familier et en même temps différent de Mayotte. Mayotte a beaucoup évolué et j'ai l'impression d'être à Mayotte mais à une autre époque. Belle expérience, j'ai hâte de vous montrer la suite. Je me suis dit,
là je filme au bord de la route, du coup si le son est un peu gênant, je m'excuse d'avance. Du coup je me suis dit peut-être que je ferai des vidéos du style un jour une vidéo, et Moussa, vu qu'il a l'habitude de venir ici, il a ses connaissances, on est parti voir des amis à lui et là il se fait une coupe. Regardez cette coiffure. Regardez cette coiffure. C'est quoi? 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 Ici nous sommes en plein centre de Majenga. Vous voyez, il y a de la vie, ça vit, ça profite et nous on en profite. Venez. Là on retrouve des jus. Là on retrouve des commerces un peu partout. Et puis bah, je dis que c'est du commerce. Prend l'air. Mais moi je ne sais pas comment ça s'appelle les endroits, mais bon, on prend l'air, on en profite. Et ça s'appelle comment ce genre de taxi? Le taxi, on les appelle comment? C'est qui? Les Bajaj. Alors là, vous voyez les petites voitures avion, là on appelle ça les Bajaj. Les Bajaj? Bajaj. 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 B-A-G-E-E. Bajaj. Du coup, tout à l'heure, on l'a pris et c'est tellement chouette. Venez essayer, c'est bon, c'est joli. Là, on va passer à la banque pour faire l'échange de nos money pour aller les claquer. Et puis voilà. Puis l'argent fini. Fini, on rentre à la maison. Là, il est 18h30, la journée a été intense, riche en découvertes. Donc là nous sommes posés, on est posé où? Oui mais ça s'appelle comment ici? Enfin, on est posé au bord de la mer. De toute façon je vais vous insérer quelques images et je pense que je vais vous laisser ici parce qu'il commence à se faire tard. Et j'ai envie d'en profiter un peu calmement, tranquillou. Il y a tellement du monde et en même temps ça fait tellement du bien, il y a du monde. C'est vraiment, tu sens que la journée elle est passée et c'est le moment de se reposer, de se concentrer sur soi. En tout cas, c'est, en plus le temps, il est frais, il fait frais. Et j'adore ce genre de temps. J'ai l'impression de me retrouver à Mayotte plusieurs années en arrière, mais je vous l'ai dit, mais c'est, en fait c'est dépaysant et en même temps très familier et c'est ce qui fait le charme de la chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi ça me fait énormément plaisir de vous la faire et puis ça me permet aussi pour moi de garder des souvenirs bien construits. Donc oui, une première. Et je suis... Et peut-être la dernière. Ah non, ça sera pas la dernière quand même. Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure ici à Madagascar, à Majenga. Donc je vous laisse, prenez soin de vous. Et nous, on se dit à une très très prochaine. Bye.